Ok. Bon, eh bien, commençons alors. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous donc pour cet événement organisé par le CADTM dans le cadre des lundis contre la dette. C'est un événement traditionnel pour le CADTM qui est organisé donc tous les seconds lundis du mois. Bon, habituellement, ça se déroule à Liège, en Belgique. Mais bon, depuis plus d'une année maintenant, avec le Covid oblige, on fait tout cela en distanciel, mais on ne doute pas qu'on va pouvoir refaire ça en présentiel très bientôt. Mais en attendant, c'est avec plaisir que je vous accueille via cette interface. Voilà, j'en profite du coup pour vous dire que ce LCD est à la fois enregistré et retransmis en direct sur YouTube et sur Facebook. Donc, si jamais vous ne parvenez pas à vous connecter sur Zoom. Alors là, en disant ça, c'est sûr, c'est un peu inutile, mais si vous savez que vos camarades n'arrivent pas à se connecter, eh ben, vous savez qu'ils peuvent le faire via Facebook. Donc, je vais partager le lien tout de suite sur le compte du CADTM. Voilà, en allant sur ce lien, vous pouvez le partager également à vos camarades pour qu'ils puissent se connecter. Donc, on est réunis ce soir pour 2 heures. Pour heure de Belgique de 19h à 21h, pour nos camarades qui nous viennent d'ailleurs comme Broulaï qui est au Mali, c'est 17h-19h. Bon, puis je ne vais pas passer tous les fuseaux horaires dans le détail. Donc on est réunis donc ce soir pour 2 heures pour présenter et discuter ensemble de l'ouvrage « Résistance africaine à la domination néocoloniale », ouvrage qui est paru aux éditions Croquant en avril 2021. Et qui a été réalisé avec le soutien de nombreuses organisations, parmi lesquelles ADA au Sénégal, ATTAC Burkina, ATTAC Togo, le CADTM Afrique, le CDTIM, le Forum pour un autre Mali, le FUIQP, qui est représenté ce soir par Saïd, la plateforme panafricaine, et enfin le réseau SOL. Donc c'est donc d'un ouvrage collectif dont nous parlons ce soir. Ouvrage qui réunit une petite douzaine d'auteurs et d'autrices africains et français, africaines et françaises. Pour en parler ce soir, nous accueillons 3 personnes. On accueille Martine Boudet, qui est coordinatrice de l'ouvrage et qui est membre du conseil scientifique d'Attaque France. Martine introduira cette soirée en présentant l'équipe internationale des auteurs, le processus d'élaboration et les objectifs de cet ouvrage, le tout en reliant cela à l'actualité des relations Afrique-Europe notamment. On accueille également Saïd Bouamama. Donc Saïd est sociologue et militant du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, le FUIQP. Il est très actif un peu partout, mais notamment dans le nord de la France, à Lille. Et donc, Saïd détaillera, lui, les dynamiques inhérentes aux accords économiques Afrique-France, qui sont des outils centraux des relations asymétriques au profit des intérêts hexagonaux. On pourra parler également du rapprochement ces derniers temps, dans ce cadre de ces accords, notamment pour les États français et rwandais concernant le génocide des Tutsis en 94 ou en 94 pour nos amis belges. Et il traitera également, dans la dernière partie de sa présentation, de la question brûlante des dettes coloniales et des réparations. Et puis enfin, le troisième et dernier intervenant, c'est Broulaï Bakayoko, donc lui qui est basé à Bamako, au Mali, qui est secrétaire du CADTM Afrique. Et donc, Broulaï dressera l'actualité de la dette des pays africains, un continent qui est impacté donc, de manière multiple par la pandémie. Et donc, on essaiera de savoir si les réponses qui ont été apportées par les institutions internationales sont à la hauteur des enjeux ou au contraire, s'il est nécessaire d'adopter des mesures plus radicales comme celle que propose notamment le CADTM Afrique. Voilà. Donc la soirée va se dérouler en 2 grands moments. Donc une première partie où donc vont se succéder les présentations de Martine, Saïd et Broulaï,
Et donc, chacun et chacune d'entre eux auront une petite vingtaine de minutes pour exposer leur sujet. Et puis, une seconde partie qu'on laisse volontairement très large. Donc, il y a une seconde partie de questions-réponses où donc vous aurez le loisir de poser vos questions aux intervenants. Donc, soit par l'intermédiaire du chat de cette interface hein, que vous avez en bas de votre écran, il y a un petit onglet qui s'appelle « Discussion ». Et donc, vous avez tout à fait la possibilité de poser vos questions à l'écrit via cet outil. Et puis, nous, on les traitera en deuxième partie de soirée, donc, ou alors soit en intervenant directement, en ouvrant votre micro et votre caméra pour poser directement les questions aux intervenants. Mais ces questions, donc, bien entendu, vous pourrez rebondir sur les présentations qui auront été faites par Martine, Saïd et Broulaï. Mais bon, ça peut être aussi l'occasion de rebondir sur l'actualité de ces dernières semaines, qui est particulièrement chargée en Afrique et aussi par rapport aux relations entre la France et l'Afrique et l'Europe et l'Afrique. Donc voilà, je pense notamment au sommet du G7 qui a eu lieu ce week-end ou encore le sommet avec l'annonce d'un prétendu New Deal qui a été fait par Macron pour le financement des économies africaines. Je pense également à l'actualité du Irak en Algérie ou au second coup d'État qui a eu lieu au Mali en moins d'une année. Et puis, voilà, je pense encore au fameux rapport Duclert qui est sorti en France, il me semble, c'était fin avril, par rapport à la question des responsabilités françaises donc dans le génocide des Tutsis au Rwanda et qu'on peut mettre en face à face, notamment toujours dans l'actualité, avec les déclarations qui ont été faites ces derniers temps par l'État allemand pour reconnaître le génocide qu'ils ont commis au début du XXe siècle en Namibie envers les communautés Herero et Namas. Voilà, donc moi maintenant, voilà, je viens de présenter et d'introduire rapidement la soirée. Je vais donner la parole à Martine. Donc, Martine, un grand merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc, comme je le disais, tu es membre du Conseil scientifique d'Attac France et tu es la coordinatrice de l'ouvrage de ce soir, donc Résistance africaine à la domination néocoloniale. Je te le laisserai présenter puisque j'ai eu l'occasion de le lire. Je pense que j'étais parmi les premiers à le lire, mais malheureusement, je n'ai pas le livre sous la main. Donc, je te laisserai présenter le livre physiquement. Voilà, donc tu es l'autrice, tu es la coordinatrice de cet ouvrage. Tu es aussi l'autrice de l'introduction de l'ouvrage qui est très justement intitulé « L'Afrique, virgule, à la croisée des chemins, point d'interrogation ». Et donc voilà, Martine, je te laisse la parole pour nous expliquer pourquoi il t'est apparu important de rédiger un ouvrage sur ces thématiques. Comment est-ce que vous avez procédé pour parvenir à la réalisation? Et puis, enfin, comment est-ce que vous êtes parvenu à répondre à la question donc, que tu poses très justement dans ton introduction? Et je me tais. Merci Rémi de cette présentation très précise. Merci aussi à DTM Belgique de nous accueillir. C'est vraiment très sympathique de votre part. Et ça participe d'une coopération européenne francophone appréciable. Et merci bien sûr au CADTM Afrique d'avoir participé à la publication de ce livre par un chapitre particulier. Alors voilà, le livre dont il est question, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc le voici sous cette forme, bien sûr graphique. Voilà, on peut le trouver dans toutes les librairies sur commande et bien sûr auprès de l'éditeur. Je vous donnerai éventuellement les coordonnées du livre sur demande. Voilà. Et donc oui, effectivement, moi je remercie d'autant plus le CADTM de cette ouverture d'esprit qu'effectivement on est dans une période, comme tu l'as dit, cruciale, au carrefour tout du moins, de certaines problématiques, et il n'est pas question de se replier sur nos coquilles nationales qui sont souvent relativement limitées, il faut bien le reconnaître. Et donc à ce titre-là, tout ce qui peut participer d'un enrichissement des réseaux, du travail en réseau, à l'échelle internationale, bien sûr, ne peut qu'être profitable. Voilà.
Donc, de notre côté, nous avons déjà donné l'information de cette soirée. Bien sûr, l'enregistrement qui en a été fait sera diffusé sur nos propres réseaux, en particulier au niveau d'Attaque France, puisque, comme tu l'as dit, c'est à partir d'Attaque France que nous avons travaillé et que nous avons construit une élaboration dont le résultat est ce livre. Voilà, mais si je puis te permettre, je vais démarrer à partir du contexte que tu as situé, parce qu'à nos yeux, c'est ça le plus important. Bien entendu, les questions subjectives sont aussi déterminantes. Hein. Il faut un travail d'équipe qui soit solidaire et relativement soudé pendant 2-3 ans, ce qui a été le cas, pour arriver à finaliser un objet de lecture, hein, quel qu'il soit. Mais à nos yeux, c'est quand même bien sûr le contexte qui prédomine. Et donc, moi, personnellement, je ne peux pas commencer sans parler des éléments que tu as listés et qui montrent quand même une ligne d'évolution possible. Tout du moins, des amorces d'évolution qui sont voulues par les peuples. Hein, parce qu'au départ, ce qu'il faut bien rappeler, c'est quand même la situation de survie de la plupart des peuples du Sud. Et donc, dans de nombreux cas de désespérance, hein, puisqu'on parlait de questions subjectives, et qui peuvent conduire au phénomène de djihadisme, tel qu'on peut les enregistrer au Sahel. Alors, quelqu'un comme Aminata Traoré, hein, ancienne ministre de la Culture au Mali, hein, et qui est la préfacière du livre, insiste beaucoup sur le fait qu'il faut dialoguer, bon, pas d'une manière évidemment irresponsable, avec toutes les parties prenantes dans le conflit armé au Sahel et en partie au Mali. Mais il est clair que toute une jeunesse est désespérée, n'a plus de solution de retour, si ce n'est traverser la Méditerranée ou bien s'engager auprès des djihadistes. Et qu'à ce titre-là, il faut véritablement un travail de diplomatie à un très haut niveau pour essayer de sortir des impasses géopolitiques dans lesquelles nous sommes. Voilà. Et donc, la période démontre que l'institution France-Africaine est interpellée de plusieurs manières depuis quelques années. Et qu'à ce titre-là, les annonces macroniennes, en particulier, hein, montrent bien, mais on parlera aussi du roi des Belges, hein, enfin du roi, l'annonce faite l'an dernier par le roi belge, montre bien que l'institution est obligée de se situer par rapport à la volonté désespérée des peuples, je dirais. Hein, pour résumer un petit peu la situation. Hein. Donc, moi, je reprends ce qui a été dit, hein, ce que tu as dit, hein, les relations franco-africaines, hein, relancé après la remise du rapport Duclert, pointant les lourdes responsabilités de l'État français dans le génocide des Tutsis il y a déjà 27 ans. Hein, voilà, c'est toute une génération, hein, qui a vécu ce génocide et qui se retrouve devant la situation effectivement de notre impuissance, il faut le dire, hein, à tous, pour essayer de solder un passif aussi important, hein, aussi dramatique. Hein. L'exécution au Tchad d'Idriss Déby, dans une sorte de révolution de palais qui a été validé par l'Élysée. Le deuxième coup de force militaire au Mali en un an, cette fois-ci sanctionné par l'Élysée et par l'UA, mais toujours au nom de la guerre contre le terrorisme. Et enfin, élément à mettre quand même aussi au compte d'une réflexion globale, les états généraux de l'écho à l'université de Lomé et qui préconisent d'acter la rupture avec le franc CFA. Voilà. Donc, il y a sans doute d'autres éléments. Je vous permettrai de rester là. Et alors, comme il n'est pas question de rester dans un cadre français, hein, puisqu'il est un cadre, comme on le disait tout à l'heure, de manière informelle, trop souvent ethnocentré, il importe de parler bien sûr de l'actualité belge. Et donc, à la page 24-25 du livre, il y a un chapitre, hein, sur le fait que le roi Philippe a exprimé des regrets au président de la RDC, Félix Tshisekedi, concernant la période coloniale et qui est un prélude à des excuses officielles. Voilà. Et donc, en rappelant qu'une commission d'enquête parlementaire doit voir le jour et que déjà en 2000-2001, une commission consacrée à l'assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, bien sûr indépendant, avait conclu à la responsabilité morale de certains ministres et d'autres acteurs belges. Voilà. Et alors, en France, on a quand même été au courant, même si on est très replié sur nous-mêmes, hein, du fait que, dans le cadre du Black Lives Matter, des acteurs belges ont demandé, bien sûr, de déboulonner la statue de Léopold II, hein, à Bruxelles et ailleurs.
Et grâce au CADTM, on a appris qu'Éric Toussaint, donc en réponse à la lettre royale, en appelle à des réparations effectives. Voilà, hein, c'est ça, et c'est aussi notre problématique, bien sûr. Hein. Dépasser les effets d'annonce de Macron, puisque c'est notre sphère personnelle, nationale, pour en arriver à des réparations effectives. Hein. C'est bien sûr l'un des objectifs du livre. Voilà. Hein. Et alors donc, bon, tu as cité l'Allemagne, je ne reviens pas sur cet élément-là, mais un autre élément intercommunautaire tout à fait significatif, c'est aux États-Unis, les États-Unis de Joe Biden, qui ont réussi à dégager l'affreux Trump, hein, donc qui ont commémoré récemment le centenaire du massacre de Tulsa, dans l'Oklahoma. Hein, massacre, bien sûr, de populations afro-américaines qui se révoltaient pacifiquement contre la ségrégation hein, instituée à l'époque, il y a un siècle. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, c'était considéré comme une émeute, donc digne, bien sûr, d'être réprimée. Hein. Et on peut citer aussi le Canada, qui a découvert avec horreur récemment les massacres d'enfants amérindiens, métis et inuits dans le cadre de l'éducation catholique. Hein. Donc voilà, tout cela semble prouver qu'il y a un mouvement de fond hein, et que donc la nature ayant horreur du vide, il y a effectivement un travail qui est opéré au niveau des peuples et des communautés, hein, relations intercommunautaires, pour essayer quand même de dépasser les contradictions de l'histoire et d'essayer de donner un sens finalement à une histoire commune. Hein, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau du contexte général et dans un deuxième point, parler du contexte français. J'espère que ça intéressera nos amis belges hein, voilà, et moi-même dans le débat. Je serais personnellement très intéressée de connaître les évolutions en Belgique parce que quand même la question comparatiste résonnant en termes de sciences sociales, et il n'y a rien de plus hostile, enfin de plus difficile à opérer en France que de travailler d'une manière comparatiste. Bon, ça, c'est vrai que les médias le font, hein, d'une manière complaisante, ils vont dire que la France n'est pas toujours quand même le centre de l'univers, on l'a bien compris, mais d'une manière raisonnée et méthodique, non, n'est pas vraiment établi au niveau de la géopolitique, j'entends, hein, telle qu'on pourrait la vulgariser pour les citoyens que nous sommes, une méthode comparatiste qui permettrait de voir finalement comment évoluent les différents peuples et comment évidemment le nôtre, bien sûr, se situe par rapport à une mouvance, à un ensemble. Et donc moi, personnellement, je suis très intéressée de savoir ce qui se passe en Belgique suite aux annonces faites et, voilà, et aux demandes de réparation. Voilà, et donc pour revenir à la France, donc comme vous le savez, puisque évidemment tout est très médiatisé à ce niveau-là, on est au cœur d'une tourmente qu'il faut appeler néocoloniale, hein, voilà, c'est ça, et intercommunautaire, les deux étant mêlés. Voilà. Et donc, du fait bien sûr de ces contradictions et de ces difficultés vécues au plan géopolitique qui ont été évoquées tout à l'heure, il est évident que les relations intercommunautaires dans le pays lui-même vivent un moment de tension tout à fait inédit, hein, je n'apprends rien en disant cela, mais véritablement ce niveau record dans la dernière période nous interroge sur même l'avenir électoral, hein, il faut le dire, hein, en termes de représentativité politique des différents courants de la société française. Hein, voilà où on en est, hein, et donc c'est quand même assez inédit à l'échelle de l'Union européenne que de voir un pays qui se dit quand même le pays des droits de l'homme, hein, il faut quand même le rappeler, hein, bon, voilà, juste à tort ou à raison, bien entendu, hein, enfin, le pays civilisé, le pays démocratique par excellence, se retrouve avec une extrême droite qui caracole en tête, depuis déjà des années, hein, faut le dire, ça fait 20 ans que ça dure, hein, et donc, le cancer national s'envenime, et que donc, effectivement, on a toute une complaisance, toute une surenchère dite sécuritaire, hein, qui fait effectivement que les idées de la fachosphère sont désormais largement banalisées, vulgarisées, et qu'en face, eh bien, on voit bien que les forces progressistes ont du mal, hein, peinent à trouver des éléments de résistance qui permettent effectivement de conserver quand même le sens des repères et le sens des valeurs républicaines. Voilà. Et donc, bon, très rapidement, là encore, pour faire un petit catalogue d'une actualité qui est très mouvementée, cette surenchère dite sécuritaire a été alimenté par le rassemblement le 19 mai dernier de l'intersyndicale des policiers avec le soutien du ministre de l'Intérieur. Bon, officiellement, c'était bien sûr pour rendre hommage à des collègues morts en exercice, ce qui est bien sûr tout à fait légitime et louable en soi,
surtout quand cela vient effectivement d'attentats terroristes. Donc personne, évidemment, ne conteste la validité de cette émotion-là et bien sûr la légitimité de cet hommage. Mais pour autant, ne faut-il pas bien sûr le récupérer politiquement? Et puis, bien sûr, des lettres ouvertes de militaires et de gradés, hein, voilà, deux lettres ouvertes qui en appellent à un retour à l'ordre musclé, en particulier, bien sûr, dans les quartiers populaires qui sont, comme sans doute chez vous aussi, multiethniques. Hein, voilà. Et donc, évidemment, c'est par rapport à l'islamisme radical qu'en premier lieu, ce combat se met en ligne de bataille. Hein, il faut voir les choses en face. Mais en arrière-plan, il y a toujours quand même la volonté de faire taire les questions relatives à la France-Afrique. Hein, c'est clair que l'islamisme radical sert de bouclier et d'exutoire par rapport aux véritables problèmes du pays, parce qu'on dit entendu que les attentats, personne ne peut les soutenir. Voilà. Mais le problème numéro un, c'est quand même bien les équilibres internationaux, en particulier au niveau des relations Europe-France-Afrique, mais aussi au niveau des relations avec le Moyen-Orient. Et là se pose la question des responsabilités de l'État français en matière de vente d'armes et de coopération militaire d'une manière générale. Voilà, alors donc toujours, tout cela pour dire qu'on a un arsenal sur la base de ce déni des questions néocoloniales et des questions stratégiques relatives en particulier à l'axe Nord-Sud. On a depuis une décennie, un arsenal législatif qui s'est mis en place en France, hein, alors qui a été respectivement antiterroriste, anti-migrant, anti-casseur, hein, puisque quand les gilets jaunes, bien sûr, ce sont qui sont quand même bien sûr l'expression directe du peuple français, hein, dans ce cas, hein, ont été réprimés, anti-séparatistes, et là on en revient à la lutte effectivement contre l'expression autonome des minorités ethniques en France, hein, il faut voir les choses comme ça, toujours sous couvert, bien sûr, de lutte contre le terrorisme. Hein, d'accord. Voilà, donc cet arsenal législatif, maintenant, nous l'avons. Et nous ne savons pas trop comment nous allons pouvoir nous en débarrasser. Il faut voir les choses en face. Hein, c'est fait. Hein. C'est un passif qui va sans doute durer. Et on ne sait pas quelle est l'équipe politique qui sera suffisamment courageuse pour nous débarrasser désormais de toutes ces atteintes aux droits citoyens, aux droits associatifs et aussi aux droits des minorités dans le pays, bien entendu. Voilà, alors donc je pense en avoir terminé avec le contexte français, mais quand même pour dire que les responsabilités de tout un chacun sont engagées. Hein, et l'affaire est tellement sérieuse maintenant et grave qu'on est obligé de s'interroger sur la part de responsabilité même du mouvement social. Alors bien sûr, dans la manifestation des policiers, il a été beaucoup critiqué que des responsables de partis de gauche, de pouvoir, hein, de gouvernement, aient été présents. Je ne citerai pas lesquels parce que je ne cherche pas à polémiquer. Mais c'est vrai que en amont, au niveau du mouvement social et écologique français, il n'y a pas encore suffisamment de travail de collaboration avec des représentants des quartiers populaires et au-delà des pays ex-colonisés. Il faut savoir que les questions françaises sont encore quasiment le tabou au niveau public, même s'il y a un effort de prise de conscience réelle. Et que c'est Macron qui, là encore, parle en monarque sur ces questions et d'une manière soi-disant avisée. Voilà. Alors donc, je pense en avoir fini pour la partie française et la partie contextuelle. Et je vais terminer avec la description de l'ouvrage qui m'a été demandé. Voilà. Et donc, par rapport à cette question des collaborations et donc d'un partage donc d'expertise Nord-Sud, voilà, grosso modo, hein, sur un plan géopolitique en particulier, c'est modestement l'objectif de résistance africaine, hein, à la domination néocoloniale. Hein. C'est un travail de 2 années qui est à l'actif d'une équipe d'africanistes, donc, comme tu l'as dit, composé pour moitié d'Africains du Mali, du Sénégal, du Togo, et pour moitié de Français. Alors, voilà, les objectifs du livre, donc voilà, pour les résumer, mais je pense que mes camarades les préciseront très bien, donc c'est pour ça que je ne vais pas insister davantage. Hein. Voilà, c'est, alors pour les lister, c'est l'annulation des dettes illégitimes, donc voilà, je pense que ça ne peut que convenir aussi à DTM, hein. Voilà, bien sûr, hein. L'abolition du franc CFA, donc monnaie coloniale, hein, néocoloniale,
l'arrêt des opérations militaires extérieures et des accords de partenariat économique, APE, la relocalisation des économies et la restitution des biens culturels spoliés. Voilà, bon, je ne fais que lister les objectifs. Et voilà, et donc il nous semble, bon, pour revenir sur des questions un peu positives et dire que, évidemment, la France est actuellement au creux de la vague, hein, on l'a bien compris, hein, et donc pour l'instant, on ne voit pas trop d'émergence d'alternatives, voire même d'alternance, hein, digne de ce nom. Mais un exemple quand même qui peut redonner espoir, c'est ce qui se passe aux États-Unis et qui est relativement paradoxal. Moi-même, je veux dire, je n'aurais pas pensé qu'un pays qui était aussi proche du moteur capitaliste et impérialiste, bien entendu, comme on le sait, soit capable quand même d'émergence de forces vives.
phase d'émergence d'une nouvelle génération militante, d'une nouvelle génération anticoloniale, d'une nouvelle génération progressiste. Si l'on regarde ce qui se passe en Amérique latine, où effectivement les progrès de la gauche progressiste en général est porté par des jeunes, si l'on regarde ce qui se joue en Afrique dans les manifestations pour le retrait des troupes militaires contre le franc CFA, pour un passage à un réel écho et non pas un écho trafiqué, etc. Si l'on prend en compte ces dimensions-là, nous sommes dans une phase, et les révolutions dites arabes, je pense que c'est une mauvaise appellation, on va dire un certain nombre de mouvements populaires massifs, durables, s'inscrivant dans le temps, et l'exemple de l'Algérie est le plus marquant compte tenu de la durée, nous sommes dans une phase particulière de la réaction des peuples, et je pense que c'est la phase qui suit une période de tétanie, qui est de baffe, où on a été tous chaos liés à l'instauration, à l'imposition de la mondialisation capitaliste et des nouvelles règles économiques internationales qui avaient été propulsées par le FMI, la Banque mondiale, le G7, le G20 et que sais-je encore. Alors, c'est essentiel dans cette phase, dans cette période-là, de garder le regard historique, le long regard historique. Et c'est pour cela que je commencerai par la question des réparations avant d'aborder la question des APE. Les grands médias aujourd'hui nous habituent en permanence à nous expliquer soit l'immigration, soit les difficultés socio-économiques et politiques des pays dits sous-développés par des causes conjoncturelles. On nous met en avant telle guerre, tel coup d'État, telle catastrophe naturelle pour présenter la situation de ces pays aujourd'hui. Ce centrage sur le conjoncturel masque en réalité les facteurs systémiques et structurels. Autrement dit, ça invisibilise les responsabilités des grands pays industriels qui dominent le monde aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il faut éviter d'être uniquement centré sur le conjoncturel et toujours relier l'actualité à cet héritage long, à cette structuration longue. Ces facteurs conjoncturels existent, bien entendu, et ne sont pas à sous-estimer, mais ils n'auraient jamais pu avoir les conséquences, ils ne peuvent pas avoir les conséquences qu'ils ont aussi massives s'ils ne s'ancrent pas, s'ils ne s'articulent pas à des causes beaucoup plus systémiques, beaucoup plus profondes, beaucoup plus structurelles. Autrement dit, c'est centrer l'analyse uniquement sur la conjoncture, ça comporte au moins trois conséquences. La première conséquence, c'est d'invisibiliser les causes historiques des immigrations contemporaines, de la pauvreté, de la déstabilisation politique, d'invisibiliser les causes réelles, par exemple, du djihadisme. Bref, ça occulte ces dimensions de causes profondes. La seconde conséquence, c'est que ça invisibilise tout autant les nouvelles formes de la dépendance, et en particulier les évolutions du néocolonialisme, et ça invisibilise le passage de ce que tu soulignais, du colonialisme au néocolonialisme, et depuis le néocolonialisme, des évolutions dans son contenu. Et troisièmement, ça contribue à masquer la recherche de véritables solutions. Parce que si on ne s'attaque pas aux causes systémiques, nous n'aurons que des solutions qui seront des petits soins sur des jambes, sur des blessures béantes. Et ces solutions sont en réalité la disparition du néocolonialisme, la nécessité d'une logique de réparation massive liée aux dégâts de l'esclavage et de la colonisation. Alors, pour bien saisir l'importance de cette revendication de réparation, et non pas simplement d'annulation de la dette, il s'agit bien d'une logique de réparation, eh bien, il faut revenir à des éléments de base. Alors, je me permettrai de rappeler ce qu'est pour moi la colonisation, qui ne peut pas se limiter à l'idée d'une occupation militaire de pays ou de nations. L'occupation est un moyen, ça n'est pas une fin, c'est le moyen d'une autre fin. Le but de la colonisation a été la destruction totale des logiques économiques et en conséquence politiques, culturelles, religieuses, symboliques, donc l'imposition de la destruction de ces logiques afin de pouvoir maximiser le profit, c'est-à-dire en imposant des rapports socio-capitalistes. Concrètement, la colonisation a signifié la destruction de toutes les organisations sociales qui étaient présentes dans les pays qui étaient colonisés, les propriétés collectives qui étaient le fait de quasiment tous les pays colonisés ont été parcellisées en propriétés privées, les cultures communautaires ont été attaquées, les économies familiales ont été détruites. Autrement dit, la colonisation, c'est d'abord la transformation de ces rapports sociaux. Et cette imposition d'une transformation aussi radicale a nécessité
l'usage de toutes les formes de violence, violence militaire, violence juridique, violence symbolique, pour installer en réalité une économie extravertie, si je le souligne, c'est parce qu'elle perdure jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle des périphéries fonctionnent au service de centres. Et c'est cela le cœur de la colonisation. Une telle violence, à base et à visée économique, nécessite de produire, sinon ça n'est pas possible, une aliénation du colonisé en le dépossédant de son histoire, de son patrimoine, de sa culture, de ses croyances. Bref, il fallait faire intégrer un sentiment d'infériorité auprès du colonisé, de la même manière qu'on a fait intégrer un sentiment de supériorité dans les peuples des pays colonisateurs. C'est pourquoi la décolonisation ne peut pas être simplement confondue avec l'indépendance. La décolonisation, si elle veut aller jusqu'à l'indépendance, suppose de toucher à toutes ces causes systémiques et non pas se contenter simplement d'être, de donner des attributs de souveraineté internationale à un certain nombre d'États. Et donc, il faut donc distinguer ces deux concepts qui sont trop souvent confondus dans, d'abord dans les médias, ensuite dans les discours politiques, mais également dans le mouvement progressiste, qui est de confondre décolonisation et indépendance. Les nouveaux pays indépendants de la décennie 60 commencent leur existence avec des économies qui les placent en situation d'infériorité sur le marché mondial, avec des infrastructures contradictoires avec l'idée même de développement autonome, avec des niveaux de scolarisation les contraignant à faire appel aux anciennes puissances coloniales, avec une déformation eurocentrée de l'histoire académique, avec des élites minoritaires fréquemment aliénées, avec leurs œuvres culturelles exposées dans les musées occidentaux, mais pas dans leurs propres musées. C'est pourquoi une sortie réelle de la dépendance issue de la colonisation nécessite d'introduire une logique de réparation allant de la restitution des œuvres culturelles volées à la reconnaissance officielle de l'ampleur des crimes de l'esclavagisme et du colonialisme, en passant par la question des réparations économiques. Cela me permet d'apporter au moins 4 précisions sur cette notion de réparation. La première précision, c'est que la question de la réparation n'est pas une question nouvelle. Les termes utilisés ont été certes différents dans le passé. On a connu des mouvements pour l'indemnisation, des mouvements pour la compensation, pour la restitution. Donc les termes, avant de trouver le concept de réparation, la recherche a utilisé d'autres termes. Mais la logique était déjà la même et elle était déjà défendue au moment de l'abolition de l'esclavage. On la retrouve à ce moment-là dans la revendication, par exemple, des anciens esclaves d'Allopanther et de bêtes de trait pour pouvoir vivre de manière autonome et ne pas dépendre des anciens maîtres. On voit bien que cette logique-là, une liberté qui n'est pas accompagnée des moyens économiques permettant cette autonomie, était un œuvre. On la retrouve des décennies plus tard, au moment de la tricontinentale en 1966 à La Havane, dans l'exigence de l'annulation de la dette, qui est posée à ce moment-là, déjà en 1966, comme première étape du remboursement de la dette coloniale. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de rembourser la dette contemporaine, mais de poser l'annulation de la dette contemporaine comme première étape d'un remboursement de la dette réelle, qui est cette dette historique, systémique, ancrée dans l'enrichissement des pays du Nord et dans la paupérisation des pays du Sud. Seconde précision sur la notion de réparation, c'est que cette logique de réparation fait partie du droit national et international. C'est en réalité uniquement quand on parle de l'Afrique, quand on parle de l'esclavage et de la colonisation, que l'on nous dit que la réparation n'est pas possible. Mais elle est inscrite dans cette dimension-là. Sans être exhaustif, on peut rappeler quelques exemples historiques. La guerre de 1807 en Europe va se traduire par l'obligation pour la Prusse de payer 100 millions de francs à la France. Celle de 1815 condamne la France à payer 700 millions de francs or au pays de la Sainte Alliance. Celle de 1870 contraint la France à verser plus de 5 milliards de francs or en 3 ans. On retrouve la même logique dans le traité de Versailles, avec une dette à rembourser de 50 milliards de marques sur 25 ans. On la retrouve après la Seconde Guerre mondiale, avec des réparations évaluées à 20 milliards de marques, dont une partie en équipement et en usine. Autrement dit, la logique de la réparation, qui est présentée comme scandaleuse, comme incompréhensible, comme impossible, etc., elle a fonctionné, elle a été objet de décisions juridiques dans le passé, de décisions qui se sont imposées. Troisième précision sur cette notion de réparation, c'est qu'imposer le principe de la réparation, qui est souvent présenté comme impossible, en nous disant « mais quand même, on ne peut pas évaluer les dettes esclavagistes et les dettes coloniales ».
On invoque donc le caractère incalculable d'une telle dette. Or, la question est la même pour tous les exemples cités précédemment. On invoque également la dimension morale de la reconnaissance, car on ne saurait, dit-on, réparer un crime comme l'esclavage. Il ne s'agit pas de réparer les crimes esclavagistes, que l'on s'entende bien, ni les crimes coloniaux. Il s'agit de réparer, autant que faire se peut, les conséquences actuelles, présentes, de ces crimes sur les structures démographiques, les économies, les cultures. Il ne s'agit pas d'un travail sur le passé, mais d'un travail sur le passé qui continue aujourd'hui ou sur le passé qui a encore des effets aujourd'hui. Quatrième précision, la logique de la réparation pose problème uniquement ici en Europe. Dans les pays du Sud, elle ne pose pas problème. Elle est posée par des mouvements sociaux, elle est posée par des organisations, elle est exigée dans des chartes, dans des déclarations, etc. Autrement dit, l'absence du débat sur la réparation aussi, ou sa faible présence, puisqu'on est avec le CADTM, donc on ne dira pas absence, vous avez joué pour beaucoup dans le fait de poser ces questions-là, mais l'absence quand même assez massive est une absence dans les pays qui ont bénéficié des effets de l'esclavage et de la colonisation pour se construire économiquement, historiquement. Et elle ne pose aucun problème, cette logique, dans les pays qui ont subi les destructions de cet esclavage et de cette colonisation. Parce qu'effectivement, cette logique des vases communicants, elle est à poser de manière systématique jusqu'à ce qu'on puisse influencer une partie importante de l'opinion publique. Il n'y a en effet pas eu d'un côté d'abord le capitalisme, puis l'esclavage et la colonisation. Non, il y a eu un mouvement simultané dans lequel le nouveau mode de production qu'est le capitalisme s'est immédiatement articulé à des destructions dans les pays du Sud, et à commencer par l'accumulation primitive, c'est-à-dire à commencer par les tout débuts du capitalisme, où cela s'est basé non seulement sur la destruction des civilisations amérindiennes, mais sur la mise en esclavage des Indiens. Il faut rappeler que ce sont les Indiens qui ont été les premiers esclaves avant que l'on aille les remplacer par des Noirs d'Afrique. Poser la question de la réparation ici, c'est donc aider les peuples européens à saisir la nature des économies dans lesquelles ils vivent, à saisir le coût pour le reste du monde de ces économies, et donc à pouvoir saisir dans quel type de société ils sont. La question est d'autant plus importante que le processus de violence ne s'arrête ni avec l'abolition de l'esclavage, ni avec les indépendances, ni aujourd'hui, comme en témoignent les accords que l'Union européenne a signés avec que l'Union européenne tente d'imposer ces fameux accords de partenariat économique. Et donc, pour aborder cette seconde dimension, qui est l'objet d'un autre chapitre dans l'ouvrage, là aussi, quelques précisions sont importantes. Comme on l'a dit précédemment, la colonisation structure le monde entre un centre dominant et des périphéries dominées. Le monde a donc été unifié par le capitalisme, mais il n'a pas été homogénéisé. Unifié parce que la colonisation, dès sa première phase sur le continent américain, a exporté un type de rapport social et l'a imposé comme rapport dominant. Mais non homogénéisé, parce que l'exportation de ces rapports ne s'est pas fait simplement en dupliquant ces rapports, mais en créant une dépendance systémique entre justement des centres et des périphéries. La colonisation va donc structurer des économies difformes, avec des régions surdéveloppées et d'autres laissées à l'abandon, avec des économies orientées vers l'extérieur alors que des besoins de base locaux sont non satisfaits, avec des réseaux d'infrastructures rendant plus facile d'aller d'Alger à Paris, de Dakar à Paris, que d'aller d'Alger à Dakar ou de Dakar au Cap. Bref, on a des économies qui sont des économies qui sont immédiatement difformes, immédiatement non viables. La conséquence de telles économies débiles et la sécrétion d'une surpopulation permanente, ne trouvant pas à s'employer sur place, et cela va donc expliquer les dimensions d'exode rural d'une part, d'amplification urbaine d'autre part, et d'immigration en définitive. Ces forces de travail libérées deviennent donc disponibles pour être utilisées par justement ce que la mondialisation va utiliser après, avec la délocalisation des entreprises dans les pays du Sud. Le maintien de la dépendance au-delà de la décolonisation marque donc un nouvel âge du système de domination que les leaders et penseurs des indépendances avaient dénommé le néocolonialisme. La décolonisation n'est donc pas l'indépendance. Mais cela, c'est du passé, nous dira-t-on aujourd'hui, médiatiquement et politiquement. Il ne faut pas victimiser, ajoutera-t-on pour
nous demandait de ne pas rappeler cette histoire. Ces arguments visent à nous faire confondre justement décolonisation et indépendance. Les indépendances ne réalisent ni immédiatement, ni automatiquement la sortie de la dépendance. Elles peuvent également signifier le passage de la colonisation directe à la colonisation indirecte, c'est-à-dire au néocolonialisme. La décolonisation n'est donc pas un synonyme d'indépendance, elle peut être le signe d'une dépendance maintenue sous de nouvelles formes. Les indépendances n'ont donc pas signifié la sortie de la bipolarisation impérialiste, mais une mutation des outils et des méthodes qui permettent d'imposer celle-ci. À la violence explicite et visible de la colonisation, s'est substituée la violence implicite et invisible du néocolonialisme. Bien entendu, lorsque les nouvelles méthodes n'ont pas suffi, le recours et le retour à la violence brute n'ont pas manqué. Et là, on pourrait faire la longue liste des coups d'État, des ingérences militaires, des interventions militaires. À chaque fois que le néocolonialisme ne suffit pas en lui-même, eh bien, on retrouve la violence primitive. Toute l'histoire des périphéries est dominée depuis les indépendances par la succession ou le cumul des méthodes et outils, violentes ou non violentes, d'imposition de la bipolarisation. De la structure du marché mondial imposant un marché inégal, jusqu'aux accords de partenariat économique de l'Union européenne aujourd'hui, en passant par la zone franc, le principe même de la zone franc, et par le franc CFA, en passant également par les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, par les règles de l'Organisation mondiale du commerce. C'est tout un système qui se révèle de mise en dépendance. Cette histoire est tout simplement la reproduction systémique d'une division inégale du travail entre centre et périphérie. Avec la reproduction de la bipolarisation, se reproduit logiquement la surpopulation rurale, et donc l'exode rural et l'amplification urbaine, et donc l'immigration, et donc aussi la pauvreté et les déstabilisations qu'elle entraîne, y compris jusqu'à l'attirance vers le djihadisme. Quelques grandes étapes méritent d'être rappelées pour saisir cette évolution depuis les indépendances, en rappelant que ce qui a amené une modification, ça n'est pas une évolution interne des colonisateurs. Ça a été un certain nombre de guerres violentes de libération. La guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, la guerre du Cameroun vont faire craindre dans les années 50 un embrasement radical de tous les empires coloniaux. Et cela va amener l'essentiel des puissances coloniales, je dis l'essentiel parce que le Portugal ne va pas suivre, le Portugal va tenter de se maintenir à tout prix, mais l'essentiel des puissances coloniales a tenté d'anticiper une reproduction de la dépendance sans la colonisation directe, et c'est là que vont se mettre en place le néocolonialisme. Donc l'organisation de la décolonisation, pour qu'elle ne soit pas synonyme d'une indépendance réelle, va reproduire les nouvelles formes de structuration du monde. Comment cela va-t-il se faire? Eh bien, tu l'as souligné dans ton introduction, la mise en place d'un certain nombre et l'imposition d'un certain nombre d'accords de coopération, d'accords militaires, l'organisation de la zone franc, etc., qui vont être mis comme des conditions à l'indépendance dans les années 60. Et les pays qui étaient récalcitrants à cela vont le payer très cher. Je pense à la Guinée, qui a refusé effectivement, et qui a été l'objet d'un blocus énorme de sabotage, etc., qui sont aujourd'hui documentés. Ces accords prévoient l'accès de l'ancienne métropole aux minerais stratégiques et un quasi-monopole de l'ancienne métropole sur ces minerais stratégiques. Ils prévoient l'accès privilégié des grandes entreprises de l'ancienne puissance coloniale, puis après de l'Union européenne, lors du passage à l'Union européenne, l'accès privilégié au marché des anciennes colonies pour les entreprises françaises. Il prévoit le même privilège en ce qui concerne les produits agricoles et miniers qui doivent s'orienter en priorité vers la France. Dès leur naissance donc, les accords sont critiqués par de nombreux mouvements de libération dans les conférences panafricaines et dans les conférences afro-asiatiques de la tricontinentale. Autrement dit, ce que nous vivons aujourd'hui avec la mondialisation capitaliste, c'est une accélération de ces dimensions-là. Et je voudrais conclure là-dessus en soulignant tout simplement que ce qu'il y a de nouveau avec les accords de partenariat économique, c'est qu'ils s'inscrivent dans le contexte de cette libéralisation totale qu'est la mondialisation capitaliste, et que par conséquent, je terminerai, ça amplifie tous les effets des accords qu'il y avait auparavant. Et pour citer un économiste qui a trouvé une formule, à mon avis, très pertinente là-dessus, les APE sont, dans le contexte d'aujourd'hui, le baiser de la mort de l'Europe à l'Afrique, puisqu'elles mettent en concurrence le petit production d'oignons
ou de poules avec les grandes industries agroalimentaires ou industrielles européennes. Merci beaucoup Saïd pour cet exposé. Désolé de t'avoir imposé la nécessité de conclure, mais c'est simplement pour des questions de temps de parole puis pour pouvoir réagir ensuite. Je sais que c'est toujours très frustrant, 20 minutes, je le savais. Voilà, mais en tout cas merci beaucoup hein, pour cette introduction, pour avoir déjà brillamment expliqué la différence entre colonialisme, néocolonialisme, que décolonialisation n'est pas synonyme d'indépendance et que cette décolonisation et cette indépendance pourront se faire uniquement justement par la reconnaissance des méfaits accomplis par le passé et par le fait de procéder donc à de réelles réparations. Puisque sinon, sans reconnaissance du passé, on ne peut pas avancer. Mais du coup, je te remercie et puis je vais faire la transition donc, et passer la parole à Broulaï, voilà, qui est toujours connecté. Donc, j'espère qu'on n'aura pas de problème de connexion. Donc, Broulaï Bagayoko, lui, est membre de la CAD Mali. C'est une organisation qui est membre du réseau international du CADTM. Donc, Broulaï, toi, tu es à ce titre le secrétaire du CADTM Afrique et donc tu résides à Bamako, au Mali. Dans cet ouvrage, tu reviens dans le chapitre 10 avec la collaboration d'Attaque Burkina Faso, sur la situation d'endettement des pays africains. Et donc, en effet, nombre de pays africains traversent depuis 2015 au moins de grandes difficultés avec leur endettement extérieur, endettement par ailleurs hérité de l'époque coloniale, puisqu'il y a énormément de pays en fait impérialistes qui ont transféré leur dette coloniale aux pays nouvellement indépendants, pour le dire dans les termes officiels. Et donc ces pays africains aujourd'hui voilà, ils sont en grande difficulté d'endettement, notamment du fait des grandes fluctuations des prix des matières premières dont sont extrêmement dépendants les pays africains, mais aussi des fluctuations et donc vers le bas hein, pour le coup des devises africaines et puis surtout de la spéculation des investisseurs privés qui font un peu la pluie et le beau temps en termes de financement et de conditionnalité qui sont imposées. Et donc, voilà, sans surprise, la pandémie de COVID-19 a aggravé la situation, mais la situation était déjà grave au préalable. Aujourd'hui, plusieurs chefs d'État africains appellent à l'annulation pure et simple de leurs dettes. En tout cas, c'est le discours qui est tenu officiellement, mais on pourra revenir dans les détails là-dessus pour voir si réellement des chefs d'État africains se donnent les moyens de parvenir à une annulation de la dette. Et donc, ces pays, voilà, aujourd'hui, sont de grandes difficultés, et d'autant plus qu'ils sont dans une conjoncture où ils doivent assumer davantage de dépenses, et donc notamment en santé, dans un contexte où ils engrangent bien moins de recettes. Les réponses qui ont été données par les institutions internationales, et donc là, au premier rang desquelles je parle de la Banque mondiale, du FMI, du G7 et du G20, qui sont aujourd'hui des acteurs incontournables, malheureusement, sur les questions de dette souveraine, eh bien, les réponses qui ont été données sont, est-ce qu'elles sont insuffisantes ou pas. Bon, il semblerait que très clairement les solutions qui ont été apportées veulent simplement reporter le fardeau de la dette qui est assumé par les populations africaines. Voilà, donc Broulaï, je te laisse la parole maintenant, pareil, pour une vingtaine de minutes. Je te vois plus sur mon écran, alors j'espère que tu es là. Bon, c'est bien dommage. Broulaï, il n'est plus là, hein. On l'a bien perdu, Rémi, je te le confirme. On l'a perdu. Bon, je vais essayer d'introduire alors du coup sur la question de la dette des pays africains. Et puis dès que Broulaï revient, je me tais. Parce que c'est bien dommage que ce soit moi qui devais introduire là-dessus. Peut-être que Broulaï m'a envoyé un message. Je regarde juste tout de même. Je ne sais pas. César, si tu peux lui envoyer un message sur WhatsApp, voir
Et puis moi, je vais présenter un peu la... C'est ce que je suis en train de faire, Rémi. Ok, je te remercie. Je te remercie. Bon, désolé hein, pour ce petit problème, mais voilà, donc Broulaye à Bamako. Et donc malheureusement, on a très souvent des soucis de connexion avec nos camarades africains. Un des autres problèmes auxquels ils sont confrontés, puisque bon, c'est tout de même un outil qui est pour nombre d'entre nous indispensable aujourd'hui. Et donc, on voit que là-dessus également, ils ne peuvent pas disposer d'une connexion suffisante. Donc, en fait, Broulaye me dit qu'il pleut très fortement à Bamako et que c'est la raison pour laquelle en fait, ils n'ont plus d'électricité. Donc, espérons que la pluie se calme très rapidement, sauf pour l'agriculture peut-être, mais pour le bien de cette soirée, en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, peut-être au niveau des pays africains, hein, ce que je vais pouvoir dire, donc c'est qu'aujourd'hui, hein, on a à peu près une quinzaine de pays, selon les statistiques du FMI, hein, statistiques qui sont par ailleurs hautement critiquables. Selon le FMI, il y a à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de pays aujourd'hui en Afrique qui sont en situation de surendettement ou qui sont en défaut de paiement. Donc, 20 pays, c'est pas rien du tout, hein, puisque le continent, il me semble, compte 54 pays, en tout cas reconnus officiellement par l'ONU. Donc, ça fait un peu plus d'un tiers. Donc, vous voyez à peu près la situation avec des pays donc, qui sont en défaut de paiement depuis plusieurs années. Je pense notamment au Zimbabwe. Et puis, des pays qui sont tombés en défaut de paiement mais des suites de la Covid et de ses conséquences économiques et financières. La Zambie, oui, en défaut de paiement depuis le mois de novembre. Alors, il y a Martine qui me dit qu'il y a Ndongo qui est connecté. Donc, j'imagine que c'est Ndongo Zambasila. Mais effectivement, si Ndongo, tu es connecté, n'hésite pas à intervenir à présenter la situation actuelle, quoi. Ce serait beaucoup mieux que ce soit une voix africaine qui puisse le faire plutôt que moi. Ndongo, est-ce que tu m'entends? Bon, je poursuis. Et Ndongo, si tu m'entends, n'hésite pas à intervenir, à ouvrir ton micro. Je n'avais pas vu que tu étais là, mais sinon, bien sûr, n'hésite pas. Donc oui, voilà, aujourd'hui, nombre de pays africains rencontrent de grandes difficultés avec leur dette extérieure. La dette extérieure, en fait, elle a triplé hein, en l'espace de 20 ans. Elle est passée, il me semble, d'à peu près 200-250 milliards au début des années 2000 à plus de 500 milliards de dollars actuellement, avec un profil d'endettement qui a assez nettement évolué. Hein, avant, on avait des pays africains qui étaient plutôt endettés vis-à-vis d'autres États, donc ce qu'on appelle la dette bilatérale, et ils étaient endettés a fortiori auprès de pays qui sont membres du Club de Paris. Donc le Club de Paris, c'est ce qu'on peut définir. Le Club de Paris se définit lui-même comme une non-institution, et nous, on va définir le Club de Paris comme un cartel de créanciers. Donc aujourd'hui, ça rassemble les 22 États qui sont parmi les principaux créanciers du monde. Je dis parmi les principaux créanciers puisque certains gros créanciers n'en sont pas membres. Et donc, je pense notamment à la question de la Chine. Et donc, c'est aujourd'hui donc notamment la Chine qui est devenue la première créancière du continent africain et qui est extrêmement présente. Ok, donc Ndongo, merci Ndongo, il me précise simplement qu'il ne peut pas intervenir puisqu'il est en réunion. Donc, du coup, je vais continuer et puis si Broulaye arrive, n'hésitez pas à me le signifier parce que moi, je ne vois pas forcément les connecter là tout de suite. Donc voilà, je disais un profil d'endettement qui a fortement évolué ces dernières années, donc au profit de nouveaux créanciers bilatéraux comme la Chine ou comme les pays du Golfe, et puis surtout au profit de créanciers privés. Et donc aujourd'hui, une bonne partie de la dette extérieure publique du continent africain est entre les mains des acteurs privés, donc des banques, des fonds d'investissement,
etc., etc., etc. Et si ce type d'acteur a l'avantage de faire des prêts plutôt dépourvus de conditionnalité politique, ce qui est plutôt le cas des créanciers bilatéraux et des créanciers multilatéraux comme le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, j'en passe et des meilleurs. Par contre, les taux d'emprunt sont excessivement élevés, quoi. Et donc, aujourd'hui, des pays qui empruntent soi-disant à des taux records, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., empruntent au moins à du 5%. Et donc ça, c'est que le taux d'intérêt. Mais si on inclut derrière tout ça la question du taux d'intérêt, les primes de risque, des dédommagements, etc., etc., ben, en fait, les taux d'intérêt peuvent… Enfin, si on prend l'ensemble, si je donne un exemple, par exemple, si le Sénégal emprunte 100, eh ben, il va recevoir que 90, 90 ou 85. Donc, vous voyez en fait que les sommes à rembourser sont excessivement importantes. Alors, je vois aussi qu'il y a Jacques Berthelot qui est là. Alors, je vais finir très rapidement sur la question de l'endettement, juste pour dire où est-ce qu'on en est. Et puis ensuite, je passerai la parole à Jacques Berthelot, qui est un spécialiste également et qui est co-auteur de cet ouvrage. Et donc, voilà, simplement dire aujourd'hui, par rapport à la question de l'endettement des pays africains, que les réponses, en fait, hein, qui ont été données par les institutions internationales, donc je l'ai nommé tout à l'heure, la Banque mondiale, le FMI, le G7, eh bien, en fait, sont extrêmement insuffisantes, alors même qu'on est dans une situation en termes de conséquences qui est assez similaire à celle de la fin des années 80, début des années 90 pour les pays africains, donc c'était le moment de la crise de la dette du tiers-monde, eh bien, alors même qu'on est dans des conséquences assez similaires, eh bien, finalement, les réponses qui ont été données par ces institutions sont encore moins bonnes que celles qui avaient été lancées en 1996, en 1996, avec ce que vous avez probablement entendu parler déjà, l'initiative PPTE, l'initiative pays pauvres très endettés, qui a accordé à 36 pays une annulation plus ou moins importante de la dette. Eh bien, les institutions, avec le Covid, n'ont absolument pas voulu concéder quelconque annulation. D'une part, ils ont simplement reporté le service de la dette. Donc, le service de la dette, c'est la part du budget qui va au remboursement de la dette annuellement. Eh bien, il y a un simple report du service de la dette pour 73 pays, 73 pays. Et donc, ce fardeau de la dette, ils en sont exemptés pour l'année 2020, pour l'année 2021, pour simplifier. Mais il viendra se rajouter au fardeau de la dette à partir de 2026, alors qu'on n'est absolument pas sûr que dans 3 ou 4 ans, la situation économique et financière sera véritablement résorbée. On peut tout à fait faire une comparaison avec la crise de subprimes qu'il y a eu en 2007-2008. Avant le Covid, je pense que bon nombre de pays et de populations sentaient toujours les effets du fait des politiques d'austérité qui en ont découlé. Et donc ça, c'était près de 15 ans après la crise de subprimes. Et donc, comment est-ce que ces institutions, donc Banque mondiale et consorts, peuvent faire le pari que d'ici 4 ans, les économies africaines et mondiales s'en seront totalement sorties de la crise sanitaire que l'on connaît, mais qui est aussi et surtout une crise économique, financière et plus largement politique également. Voilà, donc moi je m'arrête là-dessus pour la question de la dette, et puis si Broula y revient, et puis du coup j'en profite donc pour passer la parole à Jacques Berthelot, si Jacques ça te dérange pas. Donc toi tu es un grand spécialiste des APE, des accords de partenariat économique, et ben voilà, du coup je te laisse la parole pour ce moment un peu improvisé mais non moins intéressant. Oui, ben écoute, merci beaucoup. Justement, Broula m'avait envoyé un message en me disant que demain, justement, à Bamako, ils ont toute une réunion sur les APE. Et que voilà, bon. Et donc, oui, alors, donc, je vais me concentrer un peu là-dessus. Donc, simplement, avant de m'y concentrer, disons simplement qu'il faut savoir que le 15 avril, donc, il y a donc un mois et demi à Bruxelles, donc il y a deux mois, on peut dire, bon, à Bruxelles, donc, il y a eu un accord donc, qui a été paraffé entre les négociateurs en chef, c'est-à-dire les ministres de l'économie
ou du commerce, donc de l'Union européenne et de la communauté des États Afrique-Caraïbes-Pacifique, qui va remplacer donc l'accord de Cotonou donc, pour une durée de 20 ans. Et le scandale est que ce nouvel accord, donc, il a été paraphé, c'est-à-dire qu'il n'est pas signé encore, mais il a été paraphé par les négociateurs en chef. Et normalement, la signature officielle devrait être le fait des présidents de la République. Donc, une fois que aussi du côté de l'Union européenne, au minimum, le Conseil et le Parlement européen auront également donc, donné leur accord. Alors, le scandale, avant d'aborder en détail cette question des APE actuelles, c'est que dans ce nouvel accord, il est dit que ce nouvel accord va se reposer sur non seulement sur les APE, mais que ces APE vont être élargis donc, à des nouveaux domaines que les simples échanges commerciaux. Ils vont être élargis à ce qu'on appelait traditionnellement les thèmes de Singapour, c'est-à-dire à la concurrence, aux accords de la propriété intellectuelle, au marché public et puis aux services. Voilà. Et donc non seulement, alors ça on n'en a pas vraiment parlé, bon j'en ai parlé, je l'ai évoqué dans mon chapitre, donc dans le livre, mais c'est assez dramatique, quoi, parce que donc, non seulement les APE, je vais y venir, donc, sont catastrophiques actuellement, mais on va encore donc, en élargir donc, la domination et l'écrasement donc, des populations, notamment africaines, parce que l'Afrique subsaharienne représente 94% de la population de l'ensemble des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique qui sont liés donc, par l'ancienne convention des accords de Lomé, donc maintenant avec l'accord de Cotonou, pardon. Et voilà. Et alors maintenant, ce qu'on peut dire simplement, c'est que les APE actuels, donc, ils ont été imposés donc, aux pays ACP par une série de 12 mensonges hein, de l'Union européenne. Le premier mensonge concerne le fait qu'on a dit que l'Union européenne avait été obligée donc, de reconnaître que suite à la poursuite à l'OMC de 9 pays d'Amérique latine producteurs et exportateurs de bananes, donc devant l'OMC, l'Union européenne a été condamnée donc, au fait que elle avait violé donc le principe de base de l'OMC de non-discrimination entre les pays donc selon leurs critères géographiques. Et en fait, l'Union européenne, elle a choisi de ne pas se défendre. Elle a choisi. Elle aurait très bien pu se défendre parce que s'il est vrai que l'OMC interdit une discrimination selon l'origine géographique des pays. Et il ne l'interdit pas selon le niveau de vie des pays. La meilleure preuve, c'est que l'Union européenne, en 1971, donc, a décidé, elle a été suivie par d'autres pays développés ensuite, donc, d'accorder un traitement spécial et différencié donc, aux pays en développement, et notamment de leur accorder une réduction de 30% donc, sur les droits de douane qu'elle imposait à ses importations venant de ces pays, donc, pour la partie donc, des droits de douane donc, dites de la nation la plus favorisée. Et donc, l'Union européenne a choisi de ne pas riposter. Là, elle s'est au contraire félicitée de cette condamnation parce que ça lui permettait évidemment d'obliger, donc de transformer ces accords donc, préférentiels en accords bilatéraux de libre-échange, donc de... Ça lui permettait donc de s'ouvrir davantage les possibilités d'exportation donc vers les pays ACP, notamment vers l'Afrique subsaharienne. Bon, pour étayer mon assertion, il faut savoir que à l'époque, donc en 95, le niveau de vie représenté par le PIB par habitant des trois principaux pays exportateurs de bananes, c'est-à-dire l'Équateur, la Colombie et le Pérou, il était 2,3 fois supérieur à celui des trois pays d'Afrique subsaharienne exportateurs de bananes, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et en 2016, le PIB de ces trois pays latino, enfin disons, andins, on peut dire,
était 4 fois supérieur, enfin 3,9 fois supérieur à celui des trois pays exportateurs de bananes d'Afrique. Et d'ailleurs, le scandale, c'est que les États-Unis, en même temps, au même moment que l'accord donc, de Cotonou, en mai 2000, ont accordé un accord préférentiel aussi, ce qu'on appelle l'African Growth Opportunity Act, l'AGOA, donc aux pays d'Afrique subsaharienne, en leur accordant aussi l'entrée sans droit de douane sur leurs exportations vers les États-Unis. Et cet accord donc, de l'AGOA a été renouvelé en 2015 pour 10 ans, donc avec le consensus de tous les membres de l'OMC, y compris de l'Union européenne. Voilà. Et en même temps, la Commission européenne a aussi renié la décision, tout sauf les armes qu'elle avait prise vis-à-vis des pays les plus pauvres parmi les pays les moins avancés, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc les pays, les PMA, les pays les moins avancés, en leur imposant à eux aussi donc de supprimer leurs droits de douane sur les importations venant de l'Union européenne une fois qu'ils auront signé les APE régionaux. Et donc l'Union européenne s'est d'ailleurs arrangée pour que la circonscription géographique de tous les APE régionaux, il y en a à peu près 6 dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, contiennent en même temps des pays PMA, une majorité en fait de pays PMA, et des pays qui ne sont pas, c'est-à-dire dont le niveau de vie dépasse à peu près 1 500 $ par habitant. Et donc, en imposant cela, donc, l'Union européenne a en fait violé de son côté donc, l'engagement qu'elle avait pris de ne pas imposer donc, de droits de douane sur les importations donc, venant de sur les importations des pays, des PMA, donc venant de l'Union européenne une fois qu'ils auront signé les APE régionaux. Donc, pour faire le point sur ces APE régionaux, donc, il faut savoir que le Nigeria, qui représente donc actuellement 66% du PIB de l'Afrique de l'Ouest, a toujours refusé, donc, et jusqu'à ce jour, de signer le paraphe qu'il avait donné pourtant le 10 avril 2014. Et donc, d'ailleurs, le président Buhari est venu faire un discours au Parlement européen en 2016 en disant que ça lui était pas possible donc de signer officiellement, et jusqu'à ce jour il l'a pas fait. Voilà, ça c'est le premier mensonge. Il y en a 12, alors je sais pas si je vais vous infliger tous les 12, mais donc quand même. Jacques, oui, oui. Bon, là il a pu se reconnecter, alors. Ah, ben, parfait. Alors c'est du tout intéressant ce que tu racontes, loin de là. Mais est-ce que je peux redonner la parole à Bruella et le temps. Ben, oui, s'il vous plaît, oui. Super, je te remercie Jacques. Ben, Broulaï, je te laisse prendre la parole alors. Je te vois toujours connecté. Broulaï, tu nous entends? Son nom n'apparaît pas sur le. Non. Non, mais il vient de se déconnecter à l'instant. Alors, on est parti pour le deuxième mensonge, Jacques. Alors, le deuxième mensonge, c'est que l'Union européenne a refusé de publier 3 études d'impact de l'APE d'Afrique de l'Ouest, qui ont quand même été fuitées, notamment par Nicolas Roux donc, de bilaterals.org. Elles ont été fuitées donc, car leurs conclusions étaient négatives. C'est-à-dire donc les conclusions de ces 3 études, pourtant commanditées, donc payées par la Commission européenne, ont conclu que la mise en œuvre de ces APE donc, serait négative donc, pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc l'ONG CRIDEV de Rennes donc, a posé la question, donc, a interpellé la Commission européenne là-dessus. Et la Commission a répondu que ce n'était pas elle qui les avait commandités, alors que c'est écrit en toutes lettres. Donc, enfin bref, bon, ça c'est le deuxième mensonge. Le troisième, elle a affirmé que le programme d'appui aux APE apporterait une forte contribution financière donc, à l'Afrique de l'Ouest. Mais elle a fini par reconnaître qu'il ne s'agissait que d'un réétiquetage des aides habituelles donc, du Fonds européen de développement, de la Banque européenne d'investissement et du budget de l'Union européenne, sans apport spécifique donc, pour l'APE. Bon, et alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie des aides actuellement à l'Afrique de l'Ouest sont désormais détournées vers le freinage des migrations vers l'Union européenne, hein, et la promotion des partenariats publics-privés donc, qui tendent à endetter à long terme les pays d'Afrique subsaharienne pour la construction de leurs infrastructures en apportant des garanties à ces investissements privés. Par exemple, c'est le cas
de l'autoroute de Dakar au nouvel aéroport. Bon, mais il y en a bien d'autres, le métro d'Abidjan, etc. Bon. Quatrième mensonge, les sauvegardes bilatérales et multilatérales vont profiter beaucoup plus à l'Union européenne qu'aux pays ACP et ne joueraient pas, par exemple, donc ça ne permettrait pas de faire jouer la sauvegarde spéciale, la taxe complémentaire de protection donc, de la CDAO, qui joue aussi en cas de baisse des prix. Alors que les sauvegardes donc, prévues dans les APE ne joueraient qu'en cas de hausse des quantités importées. Bon, le cinquième mensonge, les APE nient l'existence de subventions aux exportations agricoles de l'Union européenne, sous prétexte que désormais elles sont essentiellement notifiées dans la boîte verte de l'OMC, censées ne pas avoir d'impact de dumping. Et pourtant, l'organe d'appel de l'OMC a jugé à quatre reprises que les subventions internes, y compris découplées, donc, participent au dumping. Et évidemment, ces subventions considérables ont eu pour effet de réduire fortement la compétitivité des produits alimentaires et agricoles de l'Afrique. Et par exemple, donc, sur chaque tonne de blé exporté par l'Union européenne, il y a 65 euros de subventions. Et donc, ça réduit donc, la compétitivité des productions locales de maïs, de sorgho, de mil, etc. Et ça a alimenté la poursuite du changement d'habitude alimentaire. Donc, c'est-à-dire que le blé, enfin, la baguette de pain, le couscous ils sont devenus bien moins chers finalement. Bien moins chers de pouvoir consommer les produits locaux. Et ça a entraîné donc à la fois, c'est un des éléments, la paupérisation de cette population agricole éleveur, donc qui représente au minimum 60% des actifs de l'Afrique de l'Ouest, donc ont été en partie justement parmi les recrues à la fois des mouvements djihadistes et de ceux qui tentent de sauver leur peau en tentant de franchir la Méditerranée. Alors oui, aussi, comme les APE sont censés promouvoir, d'après l'Union européenne, le développement régional, comme le Nigeria donc, a refusé jusqu'à ce jour de signer l'APE régionale, l'Union européenne a poussé à la mise en œuvre donc, des APE dites intérimaires de Côte d'Ivoire et du Ghana depuis la fin 2016, ce qui est en train de désintégrer donc, l'intégration régionale de la CDAO, parce que comme la Côte d'Ivoire et le Ghana donc, peuvent importer sans droit de douane donc, les biens d'équipement et les intrants, notamment agricoles, eh bien, pour lesquels, et comme les produits agricoles circulent sans nécessité de règles d'origine à l'intérieur de l'espace de la CDAO, eh bien, la Côte d'Ivoire et le Ghana donc, sont en train de faire une concurrence déloyale donc, aux autres pays de la région, et qui, eux, ne bénéficient pas donc, de cette détaxation donc, de leurs importations. Bon, le septième mensonge, évidemment, c'est le fait que l'Union européenne soutient politiquement et financièrement la zone continentale de libre-échange, qui va assécher les budgets des États les moins compétitifs, puisque le premier objectif donc, est de réduire de 90% les droits de douane dans les échanges intra-africains, ce qui, en fait, va même au-delà donc, des APE qui, eux, imposent simplement de réduire de 80% donc, les droits de douane sur les importations venant de l'Union européenne. Bon, en plus, alors, l'étude d'impact de l'APE d'Afrique de l'Ouest qui a été menée par la Commission européenne elle-même en mars 2016, elle est truffée de contre-vérités factuelles et scientifiques, donc, car elle est incapable d'évaluer l'impact de l'APE sur la période de 2015 à 2035, en comparant la situation sans APE et avec APE, puisqu'elle considère que la situation de base en 2015 sans APE aurait été celle que les pays donc, qui n'ont pas signé des APE intérimaires, comme le Nigeria, donc relevaient du régime du système de préférence généralisée, alors que la situation réelle de la Côte d'Ivoire et du Ghana n'était pas celle-là, puisque comme les PMA l'avaient bénéficié donc, depuis les indépendances, d'exportations qui n'étaient pas taxées par l'Union européenne. Bon, pour tous ces détails-là, d'ailleurs, je vous renvoie à mon livre. Hein, bon, donc, je peux peut-être d'ailleurs aussi le montrer. Hein, c'est donc, alors,
Donc, je ne sais pas si vous le voyez là. Ah oui. Alors, voilà. Donc, vous avez dit libre-échange. Alors, c'est peut-être inversé là. Donc, c'est le livre, donc, vous avez dit libre-échange, l'accord de partenariat économique Union européenne-Afrique de l'Ouest, donc, qui est paru chez l'Harmattan en juin 2016. Pardon, 2018. Bon, le neuvième. Oui, alors on va peut-être s'arrêter là. Hein, bon. Et ouais, encore une fois, c'est pas du tout inintéressant. C'est parce qu'à la base, on voulait donner une heure d'échange. Oui, absolument. D'échange de questions-réponses. Et puis, comme on arrive sur la dernière demi-heure, on a déjà menti de 20 minutes. Aïe. Sinon, c'est pas grave. Et puis, du coup, c'est ce que j'écrivais dans le chat. Si vous avez des questions à poser, eh bien, n'hésitez pas. Hein, les intervenants. Sont là. En plus, on en a plus que prévu, en fait, puisque Martine et Saïd qui étaient prévus, eh bien, on a Jacques. Bon, Dango ne peut pas tout à fait intervenir. Mais bon, voilà, n'hésitez pas. Donc, il y a une première question. Alors, c'est tout à fait pratico-pratique. Alors, Martine, je te laisse répondre. On ne t'entend pas, Martine. Il faut activer ton micro. Exact. Alors, la question est à savoir si le livre est disponible à Montréal, au Canada. Alors, je fais comme Jacques, je remonte le livre. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, d'accord. Alors, je suis incapable de répondre à cette question. Je pense qu'à partir de l'éditeur, vous pouvez avoir un envoi. Envoyez-moi votre adresse mail et on vous répondra pour le Canada. Voilà. Vous pouvez écrire directement à Martine dans l'espace discussion. Vous pouvez choisir Martine Boudet. Et puis, comme ça, vous ne communiquerez pas votre adresse au monde entier. Alors, je lève la main parce que j'ai du mal à lire. Je peux ? Oui, vas-y. Alors, mes remerciements d'abord aux trois intervenants parce que c'était très riche, très instructif et ça donne envie de lire le livre. Les deux livres d'ailleurs que je vais acheter pour aller vite, pour ne pas trop occuper le temps. Une remarque et une question. La remarque, c'est une remarque de Martine au début lorsqu'elle dit que la désespérance est une des causes du djihadisme. J'y ajoute la misère. C'est très caractéristique au Sahel. Que j'ai étudié particulièrement, les populations du nord du Mali, qui avaient beaucoup de revendications sociales, politiques, économiques, si on leur avait fait droit, comme c'était possible avec l'accord d'Alger qui avait été conclu en 2015, ils ne se seraient pas jetés dans les bras du djihadisme. Voilà, dans mon dernier livre « Révolution », j'étudie d'ailleurs de très près cet accord d'Alger dont on parle très peu, qui malheureusement n'a pas été appliqué et qui fait que la guerre depuis s'est développée. Voilà, c'était ma première remarque. Ensuite, une question qui s'adresse particulièrement à Saïd. Les indépendances étaient un passage obligé, Saïd. Alors, bien évidemment, elles ne se suffisaient pas en elles-mêmes. Mais les accords qui ont été passés, je pense en particulier aux accords d'Évian avec les conditions économiques qui étaient imposées, n'impliquaient pas obligatoirement des liens qui auraient perduré entre l'ancienne puissance coloniale et le nouvel État indépendant. La meilleure preuve, c'est que le pouvoir de Boumediene s'en est émancipé en nationalisant, entre autres, les pétroles, les hydrocarbures en 1970. Oui. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette remarque, Saïd ? Parce que j'ai participé au Irak et j'ai été frappé, un certain nombre de gens remettaient en cause tout ce qui avait été fait depuis les indépendances. Alors, je ne voudrais pas donc que la remarque juste que vous avez faite sur la nécessité de compléter les indépendances par des politiques néocoloniales
anticolonial plutôt, soit apporte un appui, une sorte d'approbation à ceux qui disent voilà, les pays n'ont pas subi de véritable décolonisation depuis les indépendances. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, j'ai une interrogation à ce sujet, Saïd. Donc Saïd, je te laisse répondre et puis ensuite je laisserai Christian poser sa question ou son intervention. Oui, alors moi, pour dire, j'approuve complètement votre remarque. Hein. Je parlais tout à l'heure, parce que justement, ce qui distingue les accords d'Évian, des accords qui ont été signés avec l'Afrique subsaharienne, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force qui, en Algérie, lié à une lutte armée, lié à aussi l'état du FLN à l'époque, ont imposé un certain nombre de conditions qui n'existent pas dans les accords signés avec l'Afrique subsaharienne, qui sont au contraire des accords de mise en dépendance. Donc, je crois qu'il faut vraiment distinguer les accords qui ont été signés sur la base d'un rapport de force offensif des forces populaires et de décolonisation, des accords qui ont été mis en place pour anticiper et éviter la radicalisation des luttes de libération nationale ou des aspirations à la libération nationale. C'est ça, à mon avis, la distinction qu'il convient de faire. Quant à la question du Hirak, en Algérie, la situation est celle d'une prise de conscience aujourd'hui avec une tendance au nihilisme, effectivement. Tout ce qui est passé auparavant était négatif. C'est une erreur. En réalité, même en Afrique subsaharienne, même si c'était surdéterminé par des accords de mise en dépendance, il y a eu des tentatives, des projets, des essais d'en sortir. Je pense à la Guinée, je pense au Mali, je pense à Modibo Keïta, je pense à Sékou Touré, etc. Peu importe le bilan global qu'on tire de ces périodes-là, n'empêche, malgré le cadre, on a eu des tentatives d'en sortir. Et donc, dans le passé, on n'a pas eu des peuples ou des États qui étaient complètement soumis. Il y a eu des rapports de force. Il se trouve qu'à long terme, eh bien, c'est la logique de mondialisation qui l'a emporté et c'est les puissances dominantes qui l'ont emporté. Mais l'histoire n'est jamais finie. Et en Algérie, si vous regardez de près, vous voyez un double mouvement. Il y a effectivement cette tendance au nihilisme, mais vous avez aussi, en même temps, un mouvement de réappropriation des symboles de la lutte de libération nationale, des héros tout de la lutte. Fait. Voilà, qui est porteur d'une prise de conscience, effectivement, aussi que déjà, des gens portaient déjà, à cette période-là, une autre conception des indépendances qu'une indépendance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, le mouvement du Hirak est partagé sur ces questions-là. Il y a des contradictions. Moi, j'ai des débats avec d'autres organisations là-bas qui, au contraire, agissent en mettant en avant, par exemple, la période de Boumediene et en montrant la rupture entre l'industrialisation qui avait commencé en Algérie et la rupture brutale avec l'accès des libéraux au pouvoir en Algérie. Bref, on a un mouvement qui est partagé sur ces questions-là. Par rapport à votre remarque, un dernier point qui est sur la question du djihadisme et ce que soulignait Martine au tout début. Je pense qu'un des traits caractéristiques de la mondialisation, de cette période qui commence avec les plans d'ajustement structurel, avec l'imposition d'un certain nombre de nouvelles règles de libre-échange, soi-disant libre et non faussé, une des caractéristiques, ça a été l'imposition, la pression sur un retrait de l'État d'un certain nombre de ses fonctions régaliennes. Déjà, la sortie de la colonisation s'est faite avec des pays qui étaient déséquilibrés d'une région à l'autre, qui étaient des pays, puisque l'économie coloniale n'avait pas intérêt à une harmonie et une intégration des économies, donc c'était déjà déséquilibré. Mais le retrait de l'État qu'on a depuis une vingtaine d'années vient, amène dans certaines régions à l'inexistence de politique publique qui effectivement va accroître la paupérisation mais va accroître aussi les dimensions d'insécurité et la tentation d'aller rechercher et la subsistance économique et la sécurité du côté de ceux qui la proposent et les djihadistes la proposent. Alors bien entendu, ils la proposent à leurs propres intérêts et de manière, à mon avis, pas du tout souhaitable pour les peuples d'Afrique subsaharienne, mais pour comprendre et les faire reculer, il faut partir de cette dimension-là qui est il y a eu organisation d'un retrait de l'État d'un certain nombre de régions qui se sentent abandonnées aujourd'hui. Absolument. Tout à fait d'accord, Saïd. Merci, Saïd, pour ta réponse. Du coup, je vais laisser Christian poser la sienne. Et entre-temps, je mentionne aux intervenants et puis plus largement aux participants. Hein. Il y a trois autres questions qui ont été posées dans la discussion, une par Lim
et deux autres par Alain Saint-Victor. Donc, je vous laisse déjà en prendre connaissance et puis savoir qui d'entre vous pourra y répondre. Christian, je te donne la parole. Oui, je vous remercie. Je trouve très intéressant ce forum, ce débat autour de ce livre. Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est promis, je le lirai. J'ai quand même une question qui concerne plus Saïd Bouamama, c'est concernant la phase néocoloniale. Moi, j'appelle ça impérialisme, mais bon, souvent, on fait une distinction entre les peuples, au sein des peuples, entre les différentes fractions, les bourgeoisies compradores, les bourgeoisies nationales. Et je sais que parce que j'ai lu que ben, tu sais tout ça. Mais est-ce que dans cet ouvrage-là, parce que là, tu n'en as pas parlé, je me permets de te tutoyer, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un niveau de complexité qui intervient parce qu'il n'y a pas que le djihadisme ou des choses comme ça? Dans la complexité, il y a aussi le fait qu'il y ait des fractions, des pays dominés qui s'inscrivent dans la mondialisation en jouant leur carte. Et c'est pareil au niveau du Nord, ce n'est pas tout le monde qui s'implique dans l'impérialisme, c'est... si les militaires reculent, et ben, par exemple, ça va être plus les entreprises, les firmes nationales, et effectivement, Survie à Rennes, puisque je suis de Rennes, mais Survie, c'est une association qui a changé de nom d'ailleurs, et qui était très branchée contre l'anti-impérialisme depuis 40 ans, je crois. Voilà, j'arrête là. Et merci encore. Merci. Et Saïd, je te laisse répondre et puis Martine ensuite s'est proposée pour répondre aux questions posées par Lim et Alain Saint-Victor. Donc Martine, tu enchaînes tout de suite après Saïd. Alors les questions des contradictions de classe à l'intérieur des pays du Sud sont mentionnées dans l'ouvrage mais ne sont pas vraiment développées puisque l'optique était d'interroger d'abord les interactions sud-nord, donc ce n'était pas abordé tel quel. Mais ça n'enlève pas leur importance, tu as complètement raison de souligner leur importance. Ma position là-dessus, c'est que au moment des indépendances, la signification des indépendances, c'est la signification d'une sortie, d'une contrainte de toutes les classes sociales, bien sûr de manière inégale, par le cadre colonial, et que les indépendances viennent créer de nouvelles marges de manœuvre qui vont coaguler les classes sociales, accélérer le mouvement de constitution des intérêts divergents à l'intérieur de chacun des pays. Et donc, on va voir apparaître très rapidement des structures de classe dans lesquelles certains ont intérêt à la dépendance néocoloniale, alors que d'autres ont intérêt à s'y opposer. Voilà, c'est mentionné dans l'ouvrage, ce n'est pas développé, parce que ce n'est pas l'angle d'attaque premier, mais ça n'enlève pas l'importance de la question. Ok, merci. 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 Et Martine, je te donne la parole, mais en fait, je pense à l'enregistrement. Je ne suis pas sûr qu'on voit les questions. Alors, je pose les questions et puis je te laisse les répondre pour l'enregistrement qui sera posté ensuite. Donc, la question qui est posée par Lim, quelles sont les stratégies politiques qu'envisagent les organisations politiques blanches et dites de gauche pour augmenter la prise de conscience chez les personnes blanches? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de Alain Saint-Victor. On mentionne surtout le néocolonialisme en rapport aux anciennes colonies françaises. Qu'en est-il des pays anciennement colonisés par les Anglais? Et enfin, une troisième et dernière question, toujours de Alain Saint-Victor. Le panafricanisme peut-il être une réponse au néocolonialisme? Donc, si tu peux préciser peut-être, Martine, à quelle question tu réponds à chaque fois pour l'enregistrement. Alors, disons, déjà la première, donc concernant bien sûr les stratégies politiques dans le mouvement social, et écologique, pour résumer le propos, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais disons que d'abord ce qu'envisagent les militants et les citoyens de cette mouvance, c'est les problèmes et les conflits internes au pays. Et donc là où il y a eu une évolution, c'est par rapport aux bavures policières dans les banlieues. Voilà. L'affaire Traoré, par exemple, a été très médiatisée, ainsi que d'autres affaires donc,
de banlieusards qui ont été tués par la police. Et donc là, ça a donné lieu à des mouvements de sympathie, de solidarité tout à fait réels et sincères. Donc voilà un type d'évolution en relation avec l'actualité internationale. Bien sûr, l'affaire George Floyd aux États-Unis a été vraiment vue en résonance. Donc toutes les analogies ont été faites. Et donc de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une évolution des mentalités. Mais qu'il y a aussi du fait que les citoyens et les militants d'origine française commencent à subir eux-mêmes le talon de fer de l'État centralisé, de l'État autoritaire. Ça, c'est une première chose. Alors, concernant maintenant les affaires france-africaines elles-mêmes, jusqu'à présent, c'était l'association Survie, plus le CADTM, il faut le dire, sur les questions de dette. Mais enfin, bon, plutôt par rapport à la question néocoloniale, c'est quand même Survie qui est l'association spécialiste dans le milieu français d'origine, si je puis dire. Voilà. Et il y avait un phénomène de monopole objectif qui était contrariant dans le fait que l'association Survie n'a pas les moyens par elle-même de faire avancer le débat public suffisamment, malgré la qualité de ses expertises, de ses livres noirs, etc. Le travail fait par rapport au génocide rwandais est tout à fait remarquable. Voilà. Est reconnu par tout le monde social, est très respecté. Voilà. Mais moi, je dirais qu'effectivement, ce qui a permis quand même de médiatiser davantage, c'est des journaux d'investigation et surtout Mediapart. Moi, je reconnais beaucoup à Mediapart, à des gens comme Fanny Pigeot, d'avoir médiatisé la question france-africaine, en particulier à partir de l'affaire libyenne. Les dons faits par Kadhafi à Sarkozy ont fait couler énormément d'encre, sans pour autant qu'il y ait eu beaucoup d'empathie sur le sort réservé au peuple libyen, bien sûr, qui a été mis en pâture après l'intervention armée conjointe des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France en Libye. Voilà. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a une empathie considérable à cet égard, mais il y a une information sur le fait qu'il y a des scandales liés bien sûr à la corruption. Voilà. Donc, la question de la corruption a été vraiment très bien traitée par un journal d'investigation tel que Mediapart, qui a donc relayé l'investigation propre de Survie. Voilà. Donc, saluer bien sûr ces deux démarches en tant que telles. Mais pour autant, on sent bien sûr qu'il y a une forme quand même d'apathie à l'égard de véritables scandales d'État. Voilà, bon, parce que évidemment tous les peuples néocolonisés subissent le talon de fer d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, il n'est pas question de faire une hiérarchie victimaire, mais pour autant, le Rwanda et la Côte d'Ivoire constituent effectivement des cas de nations particulièrement victimisées. Alors le Rwanda, bien sûr, par une espèce de complicité, il faut le dire, de l'État français à l'égard du processus génocidaire. Et la Côte d'Ivoire, parce que c'était un des rares pays où un travail une élaboration politique a été constitué au niveau du gouvernement lui-même, qui s'est finalement mis en opposition objective avec la France-Afrique, malgré toutes les tentatives, bien sûr, de médiation et de négociation dont était capable l'équipe de Laurent Gbagbo, qui n'était évidemment pas des Batangueurs ou des gens complètement radicaux, ce sont des réformistes. Qui font partie de la deuxième internationale, c'est le Front populaire ivoirien. Et à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a eu véritablement un blackout militant et citoyen tout à fait scandaleux, moi je le dirais au niveau même du mouvement social français, sur finalement les responsabilités quand même de l'État français dans la mise à bas du pouvoir de Laurent Gbagbo. Voilà, autant le scandale rwandais est désormais largement étayé, donc je ne reviens pas là-dessus, malgré son importance et le fait qu'un génocide ne peut être comparé à aucun autre crime d'État. Mais cela dit, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un exemple même où, quand même, là, il y a eu une confrontation politique qui aurait dû donner lieu à un soutien beaucoup plus organisé de la part du mouvement social français, et ce qui n'a pas été le cas. Et même actuellement, je crois qu'on n'arrive pas à solder ce passif. Enfin, moi, c'est le type de débat que je commence à mener avec mes petits camarades et mes grands camarades du mouvement social français. Alors, j'espère avoir répondu à cette première question. Et je me permettrai, par rapport au panafricanisme, je ne peux pas répondre moi-même, mais je peux simplement donner quand même un témoignage pour dire que
ben, rien n'est parfait sous le soleil, et que ayant quand même travaillé avec des militants de différents pays africains, moi, ce que j'ai pu noter, mais en toute humilité, là encore, je ne suis pas là pour donner des leçons à d'autres, c'est qu'effectivement, autant la superstructure france-africaine est internationalisée, et bien sûr, on le sait bien, au réseau interétatique, etc., ils se connaissent et ils travaillent en permanence entre eux, autant alors, à l'échelle, je dirais, nationale, il y a une division objective, à mon avis, des militants. Et donc, l'idéal panafricain, qui, à mon avis, est très noble, a beaucoup de difficultés à être vécu au quotidien, et alors, surtout dans des cas limites. Moi, je pense par exemple au peuple burkinabé et ivoirien, qui, de fait des dictatures, ont été mis en opposition. Quoi. Je sais, on le sait bien, hein. Il y a eu entre le nord et le sud, effectivement, des frictions considérables, des dizaines de milliers de morts, et on a un mal fou, on le comprend bien, du fait même des drames vécus. Une immense difficulté à construire sur le plan panafricain. Donc voilà la raison pour laquelle, effectivement, sans doute, que le mouvement panafricain a beaucoup de mal à exister. Hein. Diviser pour régner, c'est bien connu. Voilà. Et alors, bon, je terminerai pour la question anglophone qui a été citée, mais je n'ai pas du tout le monopole de la réponse. Bon, il me semble qu'effectivement, le Commonwealth est davantage dans une optique impérialiste que néocoloniale. Bon, ce sont des accords commerciaux, bon, relativement dépersonnalisés, alors qu'on sait que la tutelle française et francophone est davantage axée sur un phénomène d'assimilation culturelle et donc de dépendance politique et militaire. Je verrai un petit peu la différence entre les deux modes de domination. J'aimerais donner répondre un peu sur la question donc du panafricanisme, si vous permettez. Et je pense qu'il y a Saïd aussi qui voulait réagir sur le panafricanisme, mais peut-être que je vois que tu as... Vas-y, Jacques. Oui, d'accord. Jacques, vas-y. Oui, alors bon, ce que je veux dire, c'est que... Peut-être donner quelques éléments ensuite sur... Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le panafricanisme du point de vue économique, donc qui est défendu par l'Union africaine, donc c'est-à-dire, c'est... la zone continentale de libre-échange, ça s'inscrit tout à fait dans une démarche de politique de rattrapage, de s'inscrire donc dans les chaînes de valeur mondiales, et ça n'a rien du tout de panafricanisme qui veut l'autonomisation et la déconnexion donc de l'Afrique vis-à-vis du monde occidental impérialiste. Et c'est ça vraiment la question. Donc, l'Union africaine, elle est totalement, avec cette zone continentale de libre-échange, complètement prématurée, qui va droit dans le mur. Hein. Bon, voilà, j'ai écrit pas mal de papiers là-dessus, mais je vais pas insister davantage. Merci Jacques. Saïd, vas-y. Oui, c'était pour aller dans la même direction. Le terme panafricanisme, il faut vraiment qu'on le revisite, parce qu'ils portent des visions différentes et des projets politiques différents. Entre l'aspiration panafricaine qui a marqué la période des années 60-70, dans laquelle c'était en lien avec un anti-impérialisme, il y a encore un certain nombre de mouvements et de militants qui le portent, mais on a à côté de cela une véritable récupération de l'aspiration au panafricanisme qui existe en Afrique par les classes dirigeantes des pays africains aujourd'hui. Et l'Union africaine, effectivement, en gros, il y a un panafricanisme révolutionnaire et un panafricanisme réactionnaire aujourd'hui. Et c'est important de bien avoir ça en tête pour sortir du débat abstrait sur le panafricanisme. Maintenant, au niveau des nécessités ou des conditions, quelles sont les conditions de rapport de force qui permettrait une réelle déconnexion avec le marché mondial tel qu'il est maintenant. Je rappelle que déconnexion, ça ne veut pas dire isolement, hein, ça veut dire choisir son mode d'entrée dans ce marché mondial et ne pas être soumis à ce marché mondial. Eh bien, quels sont les rapports de force nécessaires? C'est des rapports de force qui, dans bien des cas, nécessiteront le dépassement d'un rapport de force d'une nation vis-à-vis du système mondial. Et par conséquent, en termes de, sur le long terme, faire avancer l'aspiration panafricaniste, c'est essentiel comme condition de la déconnexion. Merci Saïd. Du coup, je me permets d'intervenir rapidement sur la question du Royaume-Uni en Afrique. Et puis, je vous signale en même temps que vraiment, on est sur les 5 dernières minutes. Alors, si vous avez encore une petite question comme ça qui vous démange, eh bien, n'hésitez pas, c'est le moment.
Du coup, simplement, voilà, sur la question du rôle du Royaume-Uni en Afrique, bon, je pense effectivement, hein, comme Martine, qu'on ne peut pas comparer dans les mêmes strates l'implication de la France en Afrique et du Royaume-Uni en Afrique. La politique france-africaine est vraiment quelque chose d'assez à part vis-à-vis des autres pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la France qui ingère en Afrique, loin de là. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, elle a des caractéristiques qui lui sont vraiment, vraiment propres. Ceci étant, ça n'empêche pas au Royaume-Uni d'être un acteur important en Afrique. D'une part, parce que le Royaume-Uni fait partie de ces pays en fait, qui sont très bien représentés dans les différentes institutions internationales qui imposent tout un tas de politiques. Et donc, on peut tout à fait parler de politique d'ajustement structurel, même si le FMI n'emploie plus ce terme. Dans les faits, elles sont toujours d'application, ces politiques. Et donc, le Royaume-Uni fait partie des pays qui ont le plus de droits de vote au sein du FMI, au sein de la Banque mondiale. C'est aussi un territoire en fait, qui est extrêmement important au sein du G7 et au sein du G20. Et donc, c'est pareil, ces deux institutions, enfin, ces non-institutions, ces groupements plutôt, ce sont quand même ces groupes de pays en fait, qui définissent pas mal le calendrier économique et politique qui va être défini puis imposé dans les années à venir, également dans ce qu'on peut appeler, ce qui est appelé très injustement l'aide publique au développement. Je pense qu'on pourrait reprendre les trois mots et dire que c'est ni de l'aide, ni publique, ni du développement, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis enfin, comme le disait Martine, eh bien, le rôle du Commonwealth. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert là-dedans, mais le Commonwealth, c'est quand même quelque chose qui a été très important pendant la période coloniale et qui n'a pas véritablement disparu, qui a muté. Mais là, il faut prendre en compte que l'Angleterre, qui est sortie de l'Union européenne, eh bien, cherche en fait, à redéployer un certain nombre de ses tentacules, quoi. Et donc, elle est en train, en fait, d'essayer de réimposer sa supériorité au travers du Commonwealth. Et ce Commonwealth s'exprime, bien évidemment, en Afrique également. Je pense notamment en Ouganda, mais j'oublie plein d'autres pays là-dessus. Et puis, dernier point, et donc ça, c'est vraiment un titre indicatif, mais ça montre néanmoins l'importance du Royaume-Uni en Afrique. Eh bien, si vous prenez le classement des principaux pays créanciers vis-à-vis d'États africains, eh bien, le Royaume-Uni se situe en cinquième position, le premier donc étant la Chine, le second étant les États-Unis, dont on parle très peu hein, par rapport à l'Afrique, mais qui est un acteur extrêmement important aussi, et en particulier au niveau militaire. Ce n'est pas le thème de ce soir. Le troisième, avec Africom, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à creuser par là. Le troisième créancier, c'est la France. Le quatrième, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, je le mentionne aussi parce que c'est pareil, c'est dans le cadre de la reconfiguration actuelle. Les pays du Golfe commencent à être de plus en plus importants en Afrique, même si ce n'est pas nouveau, mais la place est de plus en plus importante. Et puis, donc, la cinquième position pour le Royaume-Uni. Donc, voilà, ça vous permet simplement de voir un peu où ça se situe. Et donc ça sort du dernier rapport de la Banque africaine de développement dont on peut faire. Et la Turquie qui monte en puissance. Et la Turquie qui monte en puissance, l'Inde aussi dans une certaine mesure, la Russie également sous différentes formes. Enfin, en tout cas, voilà, le gâteau africain est très très gros et il aiguise l'appétit de nombreux acteurs. Voilà, donc c'était juste pour dire quelques mots sur le Royaume-Uni, mais je ne suis pas du tout un expert, donc c'était voilà, simplement pour vous donner quelques infos là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un a une dernière question ou souhaite apporter un complément à ce qui a été mentionné, sinon on va se diriger vers une clôture de la soirée. Donc, voilà, vous avez l'occasion de réagir si vous le souhaitez. César, peut-être, puisque c'est pareil, tu as écrit une réaction, mais je pense à l'enregistrement et je crois que ce n'est pas visible ce qui est écrit sur les enregistrements. Donc, si tu veux, tu peux peut-être dire un peu ce qui se passe en Belgique par rapport à la question décoloniale.
aux questions décoloniales. Oui, c'était juste qu'avec deux souhaits. Martine aussi avait évoqué l'idée de vouloir savoir ce qui se passait en Belgique. Et Lim voulait voir qu'est-ce qu'on faisait, nous, les gars de gauche ou les blancs, pour ainsi dire. C'est juste dire qu'il y a des luttes bien, bien présentes de la diaspora et des diasporas et qui luttent dans un esprit panafricaniste en général. Et en Belgique, c'est principalement BAMCO et Mémoire décoloniale et lutte contre les discriminations qui portent cette lutte. Et un des axes de leur lutte, c'est de je ne sais pas si vous avez lu le livre Promenade au Congo, qui c'est un livre qui donne l'idée qu'on peut visiter le Congo sans sortir de Belgique à travers toute une série de sites et de monuments. Ben, c'est exactement l'esprit du travail qu'ils font. Ils organisent des visites décoloniales dans les grandes villes belges pour montrer à quel point le colonialisme encore célébré d'une certaine manière et entretenu dans l'espace public. Évidemment, ils utilisent ces visites qui intéressent beaucoup de gens pour parler de leur lutte actuelle et des enjeux actuels. Donc voilà, nous on soutient évidemment ce qu'ils font et on essaye de les aider dans le travail de plaidoyer ou en tout cas à faire remonter leurs paroles et à créer des synergies nécessaires. C'est principalement le travail des luttes blanches, comme elles ont été qualifiées ici, même si je n'aime pas beaucoup ce qualificatif. C'était tout ce que je voulais dire. Non mais absolument, c'est tout à fait ça. Et puis pour aller un petit peu dans le prolongement, même si moi désormais je ne suis plus à Liège, mais bon, je garde quand même une oreille attentive à ce qui se passe. Ben, simplement dire qu'au niveau de déboulonnage de statues, ben, la Belgique n'a pas été exempte de ça. Hein. Il y a des bustes et autres statues de Léopold II, donc l'ancien roi de Belgique qui s'était fait sa propriété qui avait fait du Congo sa propriété personnelle, hein, rien que cela. Il y a pas mal de statues de lui qui ont été déboulonnées à Bruxelles, à Anvers aussi. Mentionner également que la diaspora congolaise est extrêmement importante en Belgique. Il y a notamment un quartier Matongé à Bruxelles et que je voulais dire aussi qu'il y avait pas mal de choses qui étaient faites autour de Patrice Lumumba, beaucoup de pression qui avait été faite, notamment avec la question de la dent qui était détenue par un des meurtriers de Patrice Lumumba. Et puis dire très succinctement, mais c'est simplement pour vous donner des pistes, hein, si ça vous intéresse, et là on ne peut pas les développer, mais dire également qu'il y a énormément de débats aussi par rapport aux biens culturels qui sont détenus par le musée de Tervuren. Et donc il y a d'énormes contestations par rapport à ça, par rapport au musée en lui-même, par rapport à sa ouverture. Il a été fermé plusieurs années justement pour soi-disant mettre en valeur l'histoire, la réelle histoire coloniale de la Belgique et comment est-ce que ça s'est passé. Mais il y a eu d'énormes débats parce que finalement la diaspora congolaise a été totalement mise de côté dans les invitations qui ont été faites par les autorités belges, que du coup il y a beaucoup de débats aussi pour la question des restitutions. Voilà un petit peu en ce moment ce qui se passe en Belgique, même si je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, mais en tout cas ça bouge fort. Et comme je le disais au tout début, je n'ai pas la prétention de savoir si c'était déjà le cas il y a 10, 20, 30 ans, mais en tout cas je crois qu'on est dans un mouvement croissant, déjà fort et croissant, pour les années à venir. Et ça, je pense que c'est très positif par rapport à nos luttes qui nous animent tous et puis par rapport au monde qui peut être au pluriel d'ailleurs auquel on aspire tout simplement. Du coup, je vais conclure la soirée comme ça. Peut-être Martine, si tu peux remontrer le livre à l'écran. Du coup, je vous invite tous à vous le toutes et tous à vous le procurer parce qu'il est vraiment intéressant. Alors bien sûr, vous pouvez le retrouver sur toutes les grosses entreprises habituelles que je ne vais pas citer, mais par contre, vous pouvez aussi le trouver sur le site des éditions du Croquant. Vous pouvez également le commander via le CADTM. Et puis je ne doute pas qu'il y a plein de petites bonnes librairies indépendantes qui se sont fournies. Qui ont ce livre dans leurs étals. Donc je vous invite à vous rapprocher d'eux plutôt que les gros mastodontes habituels. Ça fait aussi partie de la lutte, même si c'est pas grand chose, mais il faut le faire également. Je vous remercie en tout cas toutes et tous, Martine Boudet, donc coordinatrice de l'ouvrage et membre du conseil scientifique d'Attaque France, Saïd Bouamama, sociologue et membre du FUIQP et donc auteur d'un chapitre. On a eu également l'intervention surprise, mais non moins de qualité, de Jacques Barthelot, un grand spécialiste des APE. Donc,
Voilà, tout ce que vous voulez savoir sur les APE, c'est auprès de Jacques qu'il faut savoir. C'est la Bible des APE. Et puis, ben, merci voilà, à toutes et à tous pour vos contributions, à César, pour la modération, voilà, pour toute l'équipe technique qui est derrière tout ça, qui permet que ce genre d'événement ben, puisse être réalisé. Et puis, ben, j'en termine voilà, avec une toute petite information. Donc, comme c'est enregistré, vous pouvez retrouver ça sur Facebook, sur YouTube. Et puis, nous, on le publiera également sur le site du CADTM dans les jours à venir. Je ne sais pas quand exactement, mais vous retrouverez ça très prochainement. Et puis, si jamais vous voulez des adresses mail d'un tel ou un tel, n'hésitez pas à nous écrire à info@cadtm.org. Et puis, voilà, on pourra vous rediriger vers Martine, vers Saïd, vers Broulaï, etc. Voilà. Et puis, Broulaï n'ayant pas pu intervenir, je pense que je ferai une interview de lui pour qu'il puisse témoigner un peu de la situation en Afrique et puis plus précisément de la situation au Mali actuelle, donc, puisqu'il y a eu un deuxième coup d'État en moins d'un an. Voilà. Quoi en penser, etc., etc. Et ben, je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou bon après-midi ou bonne matinée, suivant de où vous nous regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci et bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonne soirée.